Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur RénoWatch. Aujourd'hui, on va voir comment installer une charpente. Donc, je te montre ce qu'on va utiliser comme bois et où on va le placer. Alors, j'ai fait le choix de prendre des poutres en I. Donc, une poutre en I qui se forme comme ça. Donc ici, il y en a 6. Donc, une panne ici avec une planche d'OSB. Parce que vu la distance sur la charpente, il y a 8 mètres à peu près, je pouvais pas mettre des pannes en bois directement en carré parce que sinon ça fait vraiment trop gros. Et puis des arbres comme ça, ils en délignent pas beaucoup. Et niveau économie, c'est le top. Donc on a choisi la poutre en I. Donc on va les positionner. Une ici. Pareil pour ce côté-là. Une ici. Et une ici. Et ensuite, on fera le rempannage en pierre. Voilà, entre les poutres en I, on va mettre des bastins. Des chevrons qui vont aller poser ici à travers et remonter jusque là. Voilà. Allez, c'est parti, on commence ça. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de trop filmer pendant les travaux. Donc je vais te montrer précisément ce qu'on a fait, comment on l'a fait et pourquoi on l'a fait. Allez, je te montre ça, on grimpe à l'échelle. Tan-tan-tan-tan, petit trou. Tan-tan-tan. Donc ici, on montrera d'en bas après. Il y a un chevron de posé qui a été posé au tout début avant de poser la panne du milieu, comme je te l'ai montré. Et une fois que ce chevron là, cette panne là, les pannes en I quoi, toutes les pannes ont été posées, la sablière ici fixé dans le béton avec des chevilles. Une fois que ça s'était posé, on a posé les chevrons. Voilà. Ici, tous les chevrons, tous les 50. Donc, 50 cm ici. Voilà. Hop, je te montre là. Hop. Tac. Et ici, donc, ça a été calé grossièrement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à bourrer en béton, en pierre, pour pouvoir caler les pannes en I. Et habiller à l'extérieur toute la pierre. Bon, j'ai un peu de boulot. De ce côté-là, il y a bien 30 cm à monter. Mais bon, rien ne me fait peur, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Je te montre l'autre côté aussi, là-bas. On se retrouve devant pour montrer la charpente. Hop, voilà comment que ça fait devant. Donc, le chevron tous les 50 et on va passer à l'intérieur pour voir ça. Voilà comment que ça fait. Là on a mis du chevron au cas où qu'on met un Velux plus tard. Voilà, et ici à l'intérieur. Ça paraît un peu bien droit, mais elle est pas si droite que ça. Allez, on grimpe pour voir ça de plus près. Hop là, nous voilà tout en haut. Donc de ce côté-là, comme je te disais,
on va caler en béton. Ici pareil, voilà ce que ça donne. Ici là, et on se tourne pour voir l'autre côté, la cheminée, ce que ça donne quoi. Donc vu qu'en haut, bah, je m'accroche, c'est mieux. Puis que de l'autre côté il y a la cheminée, et bien on pouvait pas mettre le i, donc on l'a fait tenir avec un autre morceau de bois. Voilà, voilà. Donc tout là, tout le bas ici là, alors que je cale en béton, et tout le bas de la sablière. Et ah oui, donc ici on a mis une sablière qui tient tout, mais ici, en plus que le mur il est pas droit, il fait le ventre. Donc il fait le ventre comme ceci là, on le voit pas trop mais je te montrerai de l'autre côté. Et bien on a mis la panne en i directement à la fin, et donc pas de sablière de l'autre côté. Voilà, voilà pour là. Donc je redescends tranquillement, je te filme pareil en détail la hauteur, et je te filme aussi les côtés, te montrer ce que ça donne. Tout simplement. Donc je mettrai en dessous dans la description la taille des pannes en i, les chevrons, la longueur et tout. Hein, je fais ça tranquillement. Donc là on va faire le tour. Ça, je vais te montrer de l'autre côté ce que ça donne. Parce que je sais que tu es curieux et que tu aimes bien voir de tous les côtés. Hop, et éviter d'aller dans les orties. Donc là, dans le potager, filmer un peu comme ça. Voilà ce que ça donne de ce côté-là. Donc pareil de ce côté-là sur le pignon, tout à rempanner. Donc mettre de la pierre et du béton partout. Et je vais te montrer ce que ça donne de ce côté-là. Comme ça, tu auras vu les quatre côtés et en plus l'intérieur. Voilà de ce côté-là ce que ça donne. Donc encore désolé, j'ai pas pu bien filmer parce que du coup on était en manque de batterie. Mais bon, je t'explique ça. Et puis si tu as la moindre question, bah t'hésites pas dans les commentaires quoi. Voilà, voilà. Donc bah, si t'es pas encore abonné, tu t'abonnes. Tu cliques sous la vidéo là. Abonne-toi sur la petite cloche. Comme ça, t'es prévenu en direct quand je poste une vidéo. Et puis bah, si t'aimes bien ce que je fais, si ça te plaît, et puis bah, si tu veux partager ça, bah, n'hésite pas, t'as le petit lien de partage juste en dessous, tu mets ça sur Facebook, tu envoies ça en email à tes copains et copines, tu mets ça sur Snapchat, tu mets ça sur Instagram, sur Pinterest, tous les réseaux sociaux que tu veux, tu partages un maximum si t'as adoré. Et puis bah, si tu veux voir la prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Allez, ciao, merci à toi.